le départ de Liège, ce sera un moment plein d'enthousiasme, sans aucun doute. On l'avait connu ici même en 2004, il y a 8 ans, c'est d'ailleurs pour ça qu'on revient. Et la trilogie, le triptyque de départ me plaît vraiment. C'est-à-dire le contre-la-montre, quasi semblable à celui qu'avait remporté Cancellara en 2004. Une étape par les Ardennes belges, pas extraordinairement dure, mais avec un final de toute beauté vraiment probant sur les hauteurs de Serein, lui complètement différent de celui de 2001 où Isabelle avait gagné, avec des pentes à 14 ou 15%, avec une partie pavée en montant, et un final en faux plat montant, et qui va s'offrir aux puncheurs, et peut-être même, et sans doute, et je l'espère, à certains des favoris du Tour de France. Et puis la troisième étape de Visée à Tournai, qui nous mènera par des routes toutes plates, sans doute jusqu'à un sprint. Bon, moi je dis souvent que si un pays comme la Belgique était à 15 000 km de Paris, il faudrait légitimement s'interroger pour savoir s'il ne serait pas opportun de faire un grand départ du Tour de France. Parce qu'il y a des racines, parce qu'il y a des courses, parce qu'il y a des champions, parce qu'il y a une histoire et parce qu'il y a une ferme. Ça pourrait vouloir dire ça, et je ne sais pas. Il y a une tendance partout dans toutes les épreuves à l'érosion du nombre de kilomètres de contre-la-montre. Érosion qui était plus marquée encore sur le Tour, c'est exactement ce que je souhaitais. Et puis là, tout d'un coup, on repart dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que nous avons placé sur le parcours du Tour, et les gens n'en ont pas forcément conscience aujourd'hui, mais de véritables rampes de lancement pour les grands grimpeurs qui sont à 20 km de l'arrivée, 30 km de l'arrivée, qui sont idéales pour partir. Il y a des occasions à saisir. Et le corollaire, c'est qu'en revanche, oui, il y a plus de contre-la-montre. Mais je rêve que l'on retrouve des duels entre de vrais grimpeurs et de vrais rouleurs. Et puis à l'intérieur des duels entre les rouleurs, ben, on va voir si Bradley Wiggins est définitivement plus fort en 2012 que Cadel Evans, par exemple. Ça commence dès la première semaine avec l'étape de Boulogne. Quand on l'a présentée, vous avez passé une partie de l'après-midi dans des interviews où était aussi Thomas Vauclair le plus souvent, et il m'avait dit « Oulala, ça va être un chantier et ceux qui ne connaissent pas vont pas être déçus du voyage ». Donc il y a cette étape-là, il y aura eu Serein précédemment, il y a la planche des Belles Filles où on aura les pentes, les rampes les plus sévères de l'histoire du Tour, je pense, pour le final. Il y a le col de la Croix, par exemple, dans le Jura Suisse, il y a le Grand Colombier, il y a le mur de Péguerre. Il y a aussi l'étape du Cap d'Agde le 14 juillet avec le Mont Saint-Clair à 20 km de l'arrivée, et derrière, on est le long de la mer avec un vent de côté. Ça promet du spectacle. Bref, il y a tout ce qu'il faut après une édition 2011 pour avoir un Tour de France en 2012 qui soit lui aussi enthousiasmant.